Juchuatry en tête à la mêlée droite et il va devoir résister maintenant. Juninho Dry ne lâche rien, magnifique avec Jack Tonic à l'extérieur, mais Jean-Michel Bazir repart finalement. Oh, il contrôle avec Juchuatry qui après sa victoire au niveau groupe 2 va s'imposer dans ce prix Raymond Foire. Et à la mode, super cheval qui s'impose, le numéro 7, Juchuatry à la deuxième place, et pour Jack Tonic devant Jazzy Perrine qui est peut-être troisième face à Juninho Dry. Certainement. Je suis en Kumpen, je suis propriétaire de l'écurie Romanov, je suis belge. C'est une écurie qui a été créée par mon père et mon oncle à l'époque en Belgique. Quand notre famille s'est rassemblée, on était plusieurs, hein. Moi j'étais encore très petit, on parlait que de chevaux, que des trotteurs. Donc l'histoire de Juchuatry, c'est un poulain que j'ai acheté chez Microsoft. Et celui-ci, j'ai acheté parce que Bald Eagle à cette époque était un peu moins voulu, mais c'est quand même Ready Cash, Bald Eagle. C'est un poulain qui m'intéressait. Entre-temps, Luc a aussi vendu un petit part à Yannick Foin. Et maintenant, on est quatre copropriétaires sur ce cheval. Ouais, tous les jours, c'est une victoire pour moi avec ce cheval-là, pour l'instant. Je suis content et pourvu que ça dure. C'est pas le même stress que mes chevaux que j'entraîne, hein, c'est pas pareil. Et voilà, hein. Ah ben voilà. Tchala. On a commencé très doucement avec ce cheval parce qu'il a, un grand gabarit. Donc il fallait être peut-être prudent. La première fois, il a couru à Cabourg. Et par après, c'est Jean-Michel qui s'en occupe, c'est un maestro. Donc il a fait toutes les courses préparatoires à Vincennes. Et maintenant, il s'améliore à chaque fois. Ça fait un bel état. Hein? Un point de force et à l'aplomb. Oui, mais Jean-Michel dit jamais beaucoup de choses. Hein. Il n'a jamais dit que c'est un tout bon cheval, c'est un crack, c'est comme ça évolue. C'est un rêve, un cheval pareil. Hein. Donc, 3, 2, et peut-être en septembre le groupe 1. Hein. On sait jamais, hein. on rêve de ça. C'est un plaisir d'entendre son cheval avec voilà, une distance qu'il découvre. Ouais, c'est important de confirmer ce qu'il vient de montrer la dernière fois, qui a été impressionnant d'ailleurs, parce qu'il a vraiment laissé sur place tout le monde. Il y a le critérium des 4 ans qui arrive dans plusieurs semaines, ce sera au début du mois de septembre, puis derrière ça peut être un enchaînement pour aller vers l'hiver, le critérium continental, et pourquoi pas, si tout se passe bien, vers des très grandes épreuves, même face aux vieux. Parti pour le prix Raymond Foire, la course réservée aux 4 ans, groupe 3, avec un départ très bon à l'extérieur pour Joyner Sport et avec également Jazzy Perrine, bon départ également, très bon départ du numéro 3, Just for Lova qui prend la tête avec en 4e position le numéro 8, Jack Tonic, le grand favori de la course avec Jean-Michel Bazir en blanc et vert. Juchuatry est en 5e position à l'extérieur, il a pris son temps début de parcours, il est en train de venir. À 500 mètres de l'arrivée, Jean-Michel Bazir qui surveille un petit peu ses adversaires et il lui demande d'accélérer maintenant et Juchuatry est en train d'accélérer maintenant pour contrer ses adversaires. Dans son dos, il y a toujours Jack Tonic. Oh, il contrôle avec Juchuatry qui après sa victoire au niveau groupe 2 va s'imposer dans ce prix Raymond Foire. Et à la mode, super cheval qui s'impose, le numéro 7, Juchuatry la deuxième place, et pour Jack Tonic devant Jazzy Perrine qui est peut-être troisième face à Juninho Dry. Yannick Foin ici sur cette image. Ouais, copropriétaire de ce poulain et il nous en a parlé dans le grand débrief il y a peu de temps. C'est vrai qu'il vit un conte de fées avec ce cheval, c'est formidable. Ah, ça colle, hein. Aucune émotion, c'est pas elle. Ça. Ah super, bravo les gars. Excellent. Oh, c'est une peine. Très bien. Hein. Bravo. Fantastique. Ah. Ça va plus vivre dans le parcours. Ouais. Un parcours. C'est comme si tu étais assis sur le ski. Ah ouais. C'est un bon cheval et c'est un bon driver. C'est un bon driver, tu penses? Bravo, on dira. Ouais. C'est bon quand tu es derrière ça. Hein? C'est bon quand tu es derrière ça. Ah, justement, pas comme moi alors. Une fois que j'ai fait mon sport, moi, de l'eau.